sur la chaîne des murmures de Gaïa. Alors aujourd'hui, on va revoir un... C'est pas un oracle, c'est un jeu de cartes en fait, sur le pouvoir du lâcher-prise. Donc c'est de Judith Orloff. Et c'est aux éditions Trédaniel. Donc c'est un jeu de 52 cartes. La capacité à se laisser porter par le courant plutôt que de vouloir tout contrôler de façon rigide est obsessionnelle chez une approche divine du lâcher-prise. Est obsessionnelle chez une approche divine du lâcher-prise. Cet art est la clé pour reprendre son pouvoir personnel et attirer le succès dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le travail, les relations avec les autres, la santé, la guérison et la longévité. Grâce à cet oracle de 52 cartes, magnifiquement illustré, bien sûr, vous retrouverez votre libre arbitre et découvrirez comment envisager un avenir plus positif. Ainsi, vous apprendrez peu à peu à retrouver confiance en vous et comment accéder au bonheur quotidien. Donc, c'est un jeu qui est à 22,90. Donc, chez Trédaniel. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. Donc, le coffret, il est mat. Et pas de brillance. Je trace encore de mes doigts. Voilà. Donc, vous avez un petit livre, enfin, un livre, un dépliant, on va dire. Voilà, juste ça. Comment utiliser les cartes? Exploiter le pouvoir visionnaire. Attendez, je vous le mets si vous voulez le lire. Entièrement. Voilà. Exploiter le pouvoir visionnaire des cartes. Comment utiliser les cartes? Donc voilà, on vous dit de vous détendre, de vous centrer. Prenez le jeu en main pour vous connecter avec son énergie. Mélangez les cartes. Posez une question en lien avec le lâcher-prise. Intégrer le message de la carte, appliquer le message dans votre vie. Comment co-créer avec l'oracle toute votre vie? Voici l'auteur, donc Judith Orloff. C'est de 2016. Moi, ça fait. Attendez. Si je l'ai acheté d'occasion, celui-ci, je ne sais plus à qui. Tetaioli, c'est probable. J'ai pas acheté des jeux à grand monde, donc ça doit être elle. Mais j'ai dû en acheter deux à la fois. Parce que généralement, je garde les post-it qu'elle met avec. Mais quand j'en achète deux, du coup, j'ai qu'un post-it pour deux jeux. Alors, du coup, là, j'ai pas le post-it dans la boîte. Alors, du coup, je sais pas d'où ça vient. Donc, il a été édité en français en 2017. Voilà. Il a été fait en 2016. Alors, rien. Allez, plus loin, ça commence. L'intérieur est d'un bordeaux brun. Voilà, qui va bien avec le petit livre. Alors, les cartes. Donc, on a dit que nous avions pas mal de cartes. Hein, 52, oui. 52 cartes. Donc, elles sont sur tranche doré. Voilà, nickel. On a un très joli dos. On y voit la mer ou un lac avec un coucher de soleil, quelques nuages ou un lever. Bon, je vois plutôt un coucher qu'un lever, mais. Et nous allons regarder nos petites cartes.
si je peux vous les descendre un peu plus. Après, on va bouger les cartes directement, ça ira plus vite. Là. Laissez parler votre intuition. Donc vous avez l'intitulé, enfin le... Pas l'intitulé, mais le message court de la carte en haut. Et vous avez une définition un petit peu plus précise en bas de la carte. Donc là, par exemple, laissez parler votre intuition. Et en bas, on vous dit, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Bon, elles ne sont pas dans l'ordre. Surmonter le traumatisme. Vous voyez deux loups derrière. Derrière l'homme, de chaque côté. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc là, sur le petit côté également, vous avez des petits dessins sur toutes les cartes. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Le pouvoir du non agir. Lâchez l'obligation de résultat. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Allez vers votre chemin de vie. Cessez de vous comparer aux autres. Lâchez la peur du manque. Croyez en la sagesse de votre corps. Suivez le courant. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leur manquement et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Ayez confiance dans le timing divin. Accueillez une complète guérison. Faites confiance à l'esprit. Accueillez les miracles. Ne soyez pas sur la défensive. Oui, une geisha. Qui pourrait vous mettre un coup de... C'est pas un sabre, comment ça s'appelle ce truc? Un canard, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Laissez les pensées négatives. Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle de vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « Merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Merci pour le partage. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « Merci pour le partage. » Drôle de message. Et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Restons positifs. La
positive attitude, comme disait Laurie. Exploitez votre créativité. N'oubliez pas de poser des limites. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Si vous-même, que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. J'ai un peu de dorure qui a débordé sur celle-ci. Je la gratouille un peu. Alors, faites de la place à la paix intérieure. Prenez votre plein pouvoir. Surmontez votre peur du changement. N'oubliez pas de jouer. Dépassez une faible estime de vous. Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Dépassez votre peur de l'intimité. Cessez de vous entêter. Embrassez le silence. C'est le Mont Saint-Michel, ça? Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Je ne suis jamais allée, donc je ne sais pas. Ça y ressemble. Mais bon, vu que ce n'est pas un jeu français, ça m'étonne quand même. Après, bon, peut-être pas. Peut-être, hein. Lâchez les relations toxiques. Ça redevient trouble. Attendez. Autorisez-vous des moments de détente. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez-vous aller à ce qui est. Chassez le stress. Lâchez les pensées obsessionnelles. Abandonnez-vous à la passion. Laissez entrer la joie. Ah oui, là, joyeuse. Hein? Chassez la peur. Lâchez votre ego. Lâchez la peur. On a déjà eu lâcher la peur? Ah non. Là, c'était chasser la peur, lâcher l'ego, lâcher la peur. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt.
qui est simplement vous. Ouvrez-vous au succès. Lâchez vos addictions. Elle est belle celle-là. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, etc., cigarette, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Déplacez les frustrations. Dépassez les frustrations, pardon. Lâchez prise dans la prière. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Ah, celle-là, elle est belle. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Faites-vous confiance. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Je vous remontre le très joli dos. Voilà, donc toujours les tranches dorées, hein. Voilà, donc c'était un petit oracle, enfin petit, deux cartes, 52 quand même, sur le lâcher prise. Voilà, tout à l'heure, je vous ai fait sur l'abondance, le nouveau jeu de Dorine. Et là, nous sommes sur le pouvoir du lâcher prise. Judith Orloff. Voilà. Bon, mais je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous souhaite une bonne journée.